La PC fait contact avec Assad. Alors nous connaissons que Odeb Haïti fait une proposition. Et Assad Vossi lui-même dit que c'est une cohabitation. Et il dit que c'est une cohabitation. Alors, et au lieu que, bien entendu, il parlait de nous faire expérience déjà avec des gouvernements d'ouverture. Gouvernement de coalition. Et bien, pour l'équipe de Odeb Haïti, et bien, ils ont même quoi dans une cohabitation. Monsieur Volti, bonjour. Monsieur Volti, bonjour. Bienvenue dans l'émission Matin Débat. Odeb Haïti parlait de cohabitation. Et expliquez-nous en détail, c'est quoi l'idée? Bonsoir, Loco. Bonsoir, Esaïe. Bonsoir, Pierre Martin. Bonsoir à tous les fidèles auditeurs. Et nous avons salué les gens qui sont en Haïti pour les gens qui sont dans la diaspora. Loco, je vais parler là depuis le matin. Et moi, bien étonné, tout vos questions, parce que je ne parle pratiquement même pas à la fin. Très bien. Parce que, c'est une qui inspire l'autre, mais ce qui est certain, c'est que tout le monde qui est lucide dans le contexte que nous est là, pas capable de comprendre que ce seul la cohabitation qui va permettre que nous sortions de cette année là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Hier, nous, dans le cadre de conférence de presse, le gars Haïti fait une proposition de sortie de crise. Et ça, c'est responsabilité de tout leader politique, tout groupement politique, tout parti politique, dans la période de crise, pour porter une contribution pour voir comment on capable éviter le pire. Qui ça nous dit? Le constat est que, depuis le week-end du 6, 7 et 8, pour nous-mêmes, au niveau de Haïti, Jovenel Moïse, eh bien, il perd du pouvoir. C'est vrai, légalement, ce pouvoir, mais cependant, river une autorité pour exercer fonction ça encore pour nous-mêmes sur la gaille qui pratiquement mettait justement sur la justement qu'il perdu. D'ailleurs, c'est l'abgadé. Quand il était la population en sortie, c'est dans la rue. Tout ces résultats de frustration, de problèmes. Donc, la personne qui sortit dans la rue, il pratiquement mettait fin à mandat. Il dit, mon bouquet étant des paroles, moi j'ai la fête contre ma poche, il dit, le bouquet de paroles va faire 4000 km de route. Le bouquet de paroles va faire téléphérie, sauter dans la ville de Cap-Haïtien pour arriver dans la ville de la Ferrière. Paroles sérieuses pour nous-mêmes, nous pas qu'à soigner. Et un an et demi plus tard, nous rendons compte que la montagne n'a accouché que d'une souris. Cavanna est pratiquement bloqué. Toute activité bloquée, vigne plus grand goût, plus misère, plus chômage. Et nous désirons la répéter. Même l'espoir que le pouvoir n'a pas été créé. Ou pas quoi avec moi, Loco, Pierre Martin, Esaïe, week-end ça, notamment le 7, le président Jovenel Moïse prend la parole là, et de voir son président dépassé, épuisé, fatigué, et tu ressors, Jovenel Moïse, tombé sous pouvoir. Mais parallèlement tout, le conseil que l'opposition qui justement, quand des départs de Jovenel Moïse, je même tout pas parlé. Je n'ai pas parlé pour ramasser ça que tu gagnes. Ça veut dire que ça. Ça veut dire que la population sortie, il est pratiquement Montréal. On lit, il jette le pouvoir, mais cependant, au niveau de l'opposition, il n'y a pas tant de l'homme qui a parlé, il me dit, il faut une alternative pour que nous assurions nos Jovenel Moïse parti, pour que ce n'est pas le chaos, pour que ce n'est pas Blanc qui vient installer du gouvernement, et de je dis à la si Jovenel Moïse est allé pendant le week-end qui passe là, et bien bon garanti, c'est le chaos, ou du moins, c'est Blanc qui a obligé dans le cadre de ce chaos de déposer justement une solution. Eh bien, ça veut dire, ça passe à la montée claire que eux, pour voir, eh bien, l'entêtement, l'arrogance, du pratiquement, et je connais cependant le même tout, en tout cas, notamment si là, qui a demandé des pas à Jovenel Moïse, nous pas à la hauteur des responsabilités nous pour nous ramasser cette guerre. Et puis, je vais dire, nous dit, seule solution, justement, pour nous, pour calmer le pays, pour stabilité politique, eh bien, il faut une cohabitation, nous a parlé à l'air. Toute tentative, justement, pour un petit gouvernement, dans tout le monde de la cité là,
côté que ce soit Jovenel Moïse qui va tenter contre le chef gouvernement. De Michel Martelly va tenter contre le chef gouvernement. On va assurer qu'on va préparer l'élection pour nous en 2022. On va faire des conseils électoraux à leur mesure. On va faire des conseils constitutionnels à leur mesure. Et bien, on garantit. Et on dit, ma groupe, nous. Il faut nous dépasser le système pour nous-mêmes. Son tremblement de terre qui est passé à niveau 7 sur l'échelle de Richter, et bien, on garantit pour chaque tremblement de terre-là, la passe à niveau 9. Et c'est le niveau de l'État. Ma bon menti, les dégâts seront considérables. Et là, ça, tout le monde a perdu, même si vous connaissez que le monde a perdu plus. Je veux dire, nous connaissons. Mais ça, nous est là, il faut une cohabitation politique. Peut-être que pour moi, eh bien, l'accepter que je dis, eh bien, on est obligé de changer avec le monde qui parle de mieux, parce qu'aujourd'hui, c'est un important rôle, on dit, nous devons accepter des adversaires politiques. Mais en même temps, nous devons avoir en commun qui fait Haïti. Eh bien, sous base Haïti, ça n'a pas besoin de nous pour nous mettre au gouvernement campé. Et nous t'aider, ma vraie bonne. C'est pas un gouvernement côté que nous avons un gouvernement qu'on a un juif, qu'on a acheté belle caille, qu'on a été un monde riche, de nouveau riche. Mais ce gouvernement qui a une mission spéciale. Parce que nous, on dit que quand tu es là, par le national, l'opposition qui a pris là. Je veux dire, quel que soit mon société là, on prend, on mettait le système d'agent là, comme chef d'État, comme premier ministre, et bien bon garanti, il partit à 80% chaque pour échouer, surtout s'ils sont amateurs dans la politique aujourd'hui, surtout s'ils ont honteux, même gens avec pouvoir de HTK. Mais je veux dire, 7 ans, pas bien, non? Pouvoir de HTK a pris sous 7 ans là, pas sous 7 ans de pouvoir. C'est-à-dire, après 7 ans de gestion de régime, et bien, population litique, et bien, mégale pour moi. Je veux dire, non? Je me galère la loupe, et pour position ça, et non, oui, qu'il non? Et son position qui a l'écrit, mais on dit qu'il y avait un structure politique, avec une position, on va dire, et on va une opposition radicale, on nous dit, un jour, justement, au modus operandi, parce que ça qui a bien l'âme, pas bon mati le beau, pas de monde qui a bénéficié. Eh bien. En tout cas, M. Volsi, ça sont propositions de Ode Baïti. Ode Baïti sont structures politiques en dans un secteur. Est-ce que qui chance ou pense au gagnant pour t'a rallié tout le secteur donc face à des mâchoires? Écoutez. Je fais appel à la raison. Je fais appel à la conscience citoyenne. Parce que je dis à la Haïti en danger. Ça va passer le 6, le 7, le 8 là. C'est un monde qui ne peut pas comprendre seulement pour être peut-être que, comme situation résolue, son klaxon, son coup de klaxon, peut-être là-bas, peut-être à camper là, regardez. Parce que, nous avons une situation qui était il y a deux jours en jour, dans le débat de Tabdil, c'est comme je dis avant de dire, mais nous connaissons déjà samedi à Pinal. Samedi, nous connaissons déjà un match final. Pas invité. Pas de grosse tête. Pas de grosses épaules. Je veux dire à vous que bien content pour que tout le monde comprenne que quand il y a un commun, il y a Haïti. Moi-même, personnellement, je veux dire, nous finissons ces balles-là. Mais déjà, nous avons fait plus de points et nous commençons. Rencontrer des amis en bonne opposition, notamment l'opposition radicale, l'esprit démocratique, notamment de la structure politique. Qui partageait le même point de vue avec nous, pour discuter avec eux, pour comment justement nous garder qui jeune cas, éviter ça que ça veut dire. On s'appelle une presque inévitable, donc bon, on s'y. On a tout nègre là, qui a chauffé sous béton là, qui a eu un instant proche, qui pensait que vous allez chercher un coup là, et bien, il va résoudre le problème là, pour ne pas résoudre, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et donc, on a pas fait occasion pour nous dire, c'est ce que je c'est l'occasion en or qui a beaucoup là. Parce que, pour un bon exemple, l'histoire sont perpétuelles au commencement du coup. Mais quand on sait la vie, il a parlé sur Michel Martelly. On va se dire que Michel Martelly, il est capté au camp. Et le coup là, la mobilisation, monter deux crimes sur le tombé qui a mis fait. Monsieur Obisé, GP et Laurent Lamotte. Mais j'étais Laurent Lamotte. Il y a qu'un lieu pour demain. Là, on va comprendre. Et je. Personne qui ne sourit à tout ce qu'on appelle.
capable de dire attention, attention, nous ne pas dans l'élection de M. Soulier, et nous avons garantie que les populations ont fait l'élection, les élection, populations sont sorties, ils créent sa capacité. La parole est là. Gouvernement, si nous avons préparé là, à la manière de LRM Show, côté abréhéni des partis politiques amis, des partis politiques amis, des partis politiques alliés, qui n'ont pas aucune divergence avec eux, qui n'ont pas l'autre côté de travail, mais nous avons des éclatements sociaux que nous connaissons. Et maintenant, on va pas parler de tout pratiquement diable de caporal. Je veux dire, nous croyons que nous sommes très guichots, nous sommes cohabitation politique. Ça, d'ailleurs, on est encore mettre tout, c'est un thème qui est nouveau. Nous venons avec un bagage tout neuf. Parce que l'habitude, c'est un gouvernement de consensus. C'est un gouvernement de ratio. Vous voulez un gouvernement de salaire public. Mais qui est là? Quand c'est un gouvernement de consensus, ça veut dire qu'ils ont fait. Il y a une unité de parti politique, notamment dans les amis, et bien, ils ont fait un gouvernement d'ailleurs. Il y a un parti politique qui n'est pas participé à l'engrine de gouvernement. Et là, qui s'est passé? Il y a un parti politique qui nomme un nom. Il perd du contrôle. Automatiquement, c'est le président de contrôle. Mais dans le cadre d'une cohabitation politique, nous sommes des adversaires politiques qui ont des divergences de vie sur le pays. Et nous disons, ok, nous avons un dénominateur commun qui est Haïti. Nous ne sommes pas d'accord avec nous. Nous ne sommes pas venus de Paul. Et bien, nous mettons sur le table. Nous mettons une feuille de route en place. Qui permet que nous disons, hé, l'édition de ce nouveau affaire là, je vais nous considérer la semaine dernière comme une transition. Quand on a accepté que, dans tête commune avec ses adversaires politiques, de casser cette cohabitation pour que l'opposition nommée le président de l'État du gouvernement, quand il y a une mission pour faire un gouvernement, normalement, qui est représentatif de la société, hein, et le surgouvernemental par l'autre bataille. Et bien, on a dit, on a fait une route, 4 km, route, on a 24-24, on a prêté ça. Et nous, on a fait deux ans. Et bien, la cohabitation décidée. Nous dit, on a pris deux ans pour nous préparer une conférence nationale, si vous avez le contrat, pour nous préparer une état général, si vous avez le contrat, pour nous préparer au chic à attendre. Mais, en d'autres termes, pour rebrasser quatre sacs là. Parce que le système n'est pourri. Le système n'est pas fait, il est fini. Il nous faut une étape pour nous arrêter de deux ans, nous remettre le système là, nous proposer une nouvelle république avec une nouvelle constitution qui dit nous comptons, nous tout notre pays, nous d'accord pour nous parler, et de mettre ça nous fait deux ans. Ce qu'on a acheté à temps de réalité, déboucher sur l'idée, pour que le gouvernement ait écouté mon gars pour qu'une élection anticipée dans notre pays, et bien c'est ça le fait pour que nous assurions que l'élection qui fait d'une manière générale pour un nouveau président, un nouveau sénateur, de nouveaux députés, de nouveaux magistrats de Moukazek pour redémarrer le pays dans notre mission. Qui ne va pas faire ça? Écoutez, nous ne pouvons pas faire ce malheur. Mais là, songez, le document sera publié publiquement tout le monde que nous-mêmes, nous, car vous dangereux, car vous historique ça, vous êtes pour responsabilité nous pour nous dire côté pour pays à aller. Je vous avais nous qui en tant qu'institut, nous faisons une promotion pour que nous prenions mal prendre somme pour aller des affaires, il y a une autre peur que. Et t'as plus bon, à tout le monde qui dit, mais peut-être pas habitation ça, eh bien, faut que c'est des difficultés pour une opposition qui t'a changé le gouvernement pour qu'on va montrer effectivement que tout le monde a des de Chita. Et bien, nous tout, et bien, tu fais pour ça, et nous avons dit, tu as compris aller. Et bien, tout est proposé que l'opposition n'a pas brûlé en cas de Chita, de faire des figures. Nous qui disons capable, en cause de situation, nous avons tout pour la confiance. Mais tout pour le campagne là, pour la gymnase qui a combattu, pour le petit gouvernement, parce que vous n'avez pas de plat même. Et d'ailleurs, nous avons aujourd'hui la commission, c'est sur lui, ou dit, nous avons besoin de presser. Mais après ce qui là, nous avons besoin de connaître un peu trop de tout ça. Mais quand vous avez besoin de tout ça, pour résoudre tout problème, il y a des problèmes économiques, tout, il y a des problèmes, vous qui êtes dans du pays, il y a un événement qui s'est appliqué. Écoutez, il nous faut être très responsable à la manière de nos ancêtres et de sacrifices parce que Haïti, je dis là, et puis parce qu'il y a centaines de milliers de jeunes qui tout à fait là parce que j'aime l'exploiter, ils ne savent pas crier. Pas une petite occasion pour nous tenir à la hauteur et à la dimension des hommes d'État et de dirigeants politiques qui a pris ce pays avec une élection de nous. Voilà, madame, en fait, notre proposition, tout cela se mise justement à la question de tout le monde.
Merci un pile, monsieur Assad Volsi. Merci un pile. Voilà, c'était donc Assad Volsi, donc de ODEP Haïti, lui-même, et organisation politique, ça, qui proposait une cohabitation au lieu d'un gouvernement de consensus, un gouvernement de coalition, et d'ouverture, oui. Cohabitation entre opposition avec pouvoir. Pouvoir être calé. C'est normal. Moi, je pense que ça va bon pays. Mais que nous dit dans la première partie, en lisant, donc, Mathieu. Ça a sauvé le pays. Ah oui. Et ça a retiré le pays dans tout ensemble de problèmes. Oui. Mais, Esaïe. Partage de responsabilité pour René Prévalde. Donc, dimension politique pour gagner, pour arriver là, chef là. Esaïe, avec Loko. René Prévalde, fait. Mais, monsieur, nous comptons tout bagaille ça. Sur qui base d'affaires? Non. Prévalde écrasé parti politique. Comment tu fais? Écrasé au PL. Il casse le parti. Il casse les gueux. Non, mon cher. Ah, bah, ça, les amis, monsieur. Non, monsieur, ils vont cohabitation. Ok. Il casse le parti politique pour le faire. Hein? Il casse au BL. Qui le parti casse au quoi? Quitte en donne. Il casse le guide. Quitte la donne. Comment casse le guide? Il vont cohabitation. Quitte la donne. OPL, t'es la donne. Ou appelons. Fusion. Tout le monde déjoigne. La valance. Tout le monde déjoigne. Il va casse tout. Il va casse pas. Il est pas dit que ça, c'est un nom de fusion. Il casse fusion. Il va prendre. Comment ça? Comment ça? On allait. Non, on allait. Il m'a crasé. Retournez mes trois boussons. Je vais vous mettre les cohabitations. On peut même cohabitation. Okay? Oui, il va y avoir. On allait. Alors, l'action, ce n'est pas pour craser. Mais les gens qui n'est pas d'accord, allez. Non, on allait. Dans le parti politique, il y a des gens qui n'est pas d'accord, allez. Il y a des gens qui n'est pas d'accord, allez. Donc, tu as crasé? Non, c'est pas ça. C'est entre les gens, c'est le problème entre eux, même dans le parti. Le parti a fait des bons. T'as toujours dit la vérité, fait des bons. On partit en pouvoir, on partit dehors. Mais il n'est pas crasé. Non, mais comment il est ça? Ah, c'est Mounio Kaldi. Nous, comment même de thématiques? Bon problème. Bon division entre eux. Division. Eh bien, division. Majorité à gauche doit continuer à faire route là. Mais Moun. Hop, il moun dit crasé. Parce que Moun qui était contre vérité, il utilise le mot crasé. Moun qui était. Bagay là, c'est tendance Mounio. Donc, division pas crasé. Non, il n'est pas crasé. Il n'est pas crasé. T'as lié. Lorsque Louko, lorsque majorité a décidé. Ouais, par exemple, ok, moi toi. Nous toi là, ok. Division bagage. Que me quitter, pas là. Esaïe, pas là. Mais que vous dit, oui, c'était toi là qui a fait émission à craser, mais c'est pas vrai. Pourquoi ça c'est mon craser à même? Il y a traîné tête noire ici même. Son jalousie, lié. Il vient de jalousie même. Comment ça veut dire? Parce que haïtien gain problème à ce que leur ouais 3 moun, 5 moun, 7 moun construisent bagay. Oui, politique gain mot pali. Chaque mot gain valeur. Non, gain bagay, c'est pas politique. J'aime nous gain bagay, c'est pas politique. C'est jalousie lié. Moun ici prend jalousie et foué dans politique. On a crasé jalousie. Faut nous connait l'aile politique à l'aile pas politique. Faut reclamer ça. Parce que je vais courir toute la journée. Mounissia, faut lever courir toute la journée. Bon, je vais courir. Mounissia, faut lever courir.